On est pas bien là, on se sent pas vivre. Je sais pas si on m'entend parce qu'il fait beau, mais il y a du vent. Le défi du jour, c'est traverser ceci. Là, c'est un glacier qui est très grand. Donc je vais marcher par là-bas comme ceci et remonter jusqu'au glacier. Le but, c'est d'aller de l'autre côté du glacier, ce qui me permettra d'atteindre le sud du pays. Et donc, la civilisation. Si j'arrive jusque là, alors je vais économiser ma batterie et je referai des vidéos sur le glacier parce que je m'emmerde. Voilà, concrètement, libre à vous de les regarder. Souhaitez-moi bonne chance. En même temps, si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai réussi. Si vous la voyez au journal, c'est que c'est mauvais signe. Ça reste très joli. Je suis bientôt au glacier, il est là. C'est que je vais planter ma tente avant d'arriver sur la partie enneigée parce que là, on est en plein milieu de la nuit. Ouais, parce que là, il fait jour, mais ici, il fait jour tout le temps. Autant dire que là, s'il y en a qui veulent jouer au toboggan, putain, bah c'est maintenant ou jamais. C'est pas que c'est pas rassurant, c'est que c'est surtout très inquiétant. Bon, y a pas d'écho en vrai. Mais non, là c'est même plus du beau, là on est au-dessus, là c'est magnifique. L'Islande. Je like. This is Iceland! This is Iceland! This is Iceland! J'ai vu personne depuis déjà 2 jours et demi. Donc je me suis dit, tiens, je vais filmer mon voyage, ça me fera de la compagnie. Là-bas, là, on peut voir des sources chaudes. Alors là, bon, vu comme ça, ça a l'air. Mais en fait, voilà, c'est pas. Mon cœur me dit d'aller me réchauffer dans la source d'eau chaude qui est là-bas, là. Mais mes pieds me disent ferme ta gueule et va au plus court. Marcher là-dedans, c'est super relou. J'ai trop le seum. Je croyais que j'avais des sources d'eau. C'est du putain de sulfure ou des fumerolles. Du coup, bah déjà, il n'y a pas d'eau chaude. Ça rend triste. Et en plus, ça pue l'œuf pourri. Bon, on va pas se mentir, hein, là, on est parti sur de la géothermie, là. Hein. C'est le chauffage au sol. Pouah. Truc badant, il y a un bloc qui vient de s'effondrer et je me rends compte que bah en dessous en fait coule une rivière. C'est très joli. Putain ce que c'est joli. This is Iceland. Me from Iceland. Welcome to Iceland. Il est 3h45. J'essaye de quitter ce glacier, sauf que partout en fait c'est soit un cliff, soit une putain de rivière. Genre pas un fleuve, un océan. J'ai trouvé ce col. Je sais pas si ça s'appelle un col, le creux. J'ai trouvé ce creux. Ça va me permettre de redescendre pour pouvoir planter ma tente. Que je me vois pas planter ma nante dans du sable. T'as froid. Il n'empêche que c'est très joli. Oh, est-ce que c'est joli. Là, on a abandonné le Technicolor. La glace fond, bordel. Déjà, je me suis pété la gueule 2 fois à m'enfoncer dans un trou. Et quand tu vois des gros trous comme ça, bah ça te fait encore plus bader ta mère. C'est un bonhomme de neige. Avec une pipe en bois, c'est un bonhomme de neige. Avec une pipe en bois. Là, il y a le creux de la vallée. Et ça fume. Faut passer par au-dessus. 8 mètres de haut. J'ai pas envie qu'elle s'écroule sous mes pas.
va contourner gentiment par là-bas. Plein ouest. Ouest. Est. Est. Puis de repiquer direct sur le sud. Et de contourner tout le bloc par le sud. Ça ne fait que 2 heures de plus. Ça a l'air quand même trop chaud pour y foutre les pieds. Putain, je suis moi ici. Là je tourne sur moi-même, là je fais 360 degrés. Y'a quelqu'un? Et finalement monter ma tente. J'y voyais plus rien, j'étais en train de me perdre. This is Iceland! This is Iceland! Ça rique? Ouais. La joie de découvrir que le temps s'était dégagé, c'est moins couvert. Mais par contre, eh bien, je me suis aussi rendu compte à quel point ce glacier est gigantesque. Parce que quand il y avait du brouillard, au moins j'avançais et tous les 10 mètres, je pensais que j'arriverais à la fin. Là, je sais que j'en ai pour longtemps. Ça me permet d'avoir une jolie vue. Hein ? Ah oui. Là, on est parti sur quelque chose de joli, quoi. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. C'est un bonhomme de neige. Ah. Ça, c'est ce que j'appelle une putain de falaise de glace. Vous, je sais pas si on se rend compte à l'écran. Vous avez vu la hauteur de ce machin? Le sulfure fait fondre la flotte. Qui passe du coup sous la neige là. Oh putain, et il fait super chaud ici. C'est incroyable. Et du coup là on se retrouve face à... Blam. Attendez, voilà. Ça s'arrête là-haut. Genre tout ça, c'est un mur de glace. Hop là. Oula. Ah ouais, d'accord. Donc en fait ici il a commencé à y avoir des crevasses. Là on peut voir qu'il y a des fumerolles de... Comme d'hab. Et j'ai... Ah oui merde, ça vient de se creuser là. Alors, je sais pas si vous voyez mais là ça, c'est tout creusé. On va essayer de contourner par là. Gros problème, j'ai plus beaucoup de bouffe. Allez. Bon, bah il n'y a plus qu'à. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. C'est un bonhomme... Une grotte de glace. Bon, on va pas y aller parce que là on peut voir que ça crevasse dur au-dessus quoi, mais c'est marrant. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. C'est un bonhomme de neige avec une pipe. Sans la fin là. J'arrête pas. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. We are from Iceland. This is Iceland. J'ai descendu ça. Bon. J'ai traversé ça et surprenamment l'eau est plutôt chaude. Et dans le fond, je vois la vallée. Ça c'est priceless ça. Ta-da, les plaines. J'ai planté ma tente. Là il fait très froid, très 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 froid. Je suis dans ce qu'on pourrait appeler les plaines du Mordor. Ça fait genre pas loin d'une heure je pense que je suis en train de suivre cette rivière. Et il n'y a nulle part où traverser. Et elle est énorme. Bon. Allez. Ah ! Non, merde ! J'arrive pas à avancer. Ah, le courant de ouf ! Oh, fuck ! Oh ! Putain ! Ah, sa mère! Oh, fuck. Oh, putain. This is Iceland! Oh, that's Iceland. Je viens de vivre l'une des expériences les plus tonifiantes et les plus douloureuses de toute ma vie.